Salut à tous et à toutes, c'est Fisher, Là, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le patch euh, qui va assorti donc il y a deux jours, donc le 21 du 8 euh, 2024, le patch 0.4.8. Donc dans cette vidéo on va voir les modifications qui ont été apportées aux armes, euh, les modifications qui ont été apportées aux gadgets et on terminera par une petite tier liste. Alors on va commencer par les armes de poing, euh, la première que l'on va regarder ça va être la SOCOM Alors sur le patch, pas de changement pour la SOCOM, et alors pour que vous puissiez comprendre le, les informations qui apparaissent à l'écran, donc vous avez bah, tout en haut euh, le nom de l'arme ensuite en haut à droite quand il y a le logo ça veut dire qu'on euh, est sur les modifications apportées par le patch si ça n'y est pas, c'est qu'on est à la version antérieure. Ensuite, le petit dessin de l'arme. À gauche, dans le premier encadrement, vous avez les informations de l'arme. Donc, le mode de tir, coup par coup, rafale, full automatique. La dispersion. Alors, au plus la dispersion est élevée, au plus il va pouvoir euh, y avoir une différence entre le point visé et le point touché. La cadence, c'est le nombre de munitions envoyées en une minute. Les munitions, bah le nombre de cartouches qui se trouvent dans votre chargeur, le temps de recharge en secondes, donc pour la SOCOM en l'occurrence il faut une demi-seconde pour recharger l'arme, et le temps pour équiper l'arme, bah, et bien si vous êtes sur une autre arme et que vous voulez passer sur la SOCOM il vous faudra un dixième de seconde pour y arriver. Donc, pour la partie inférieure des informations, vous avez à gauche les dégâts effectués à la tête, au milieu les dégâts effectués dans le corps, et à droite les dégâts effectués sur les extrémités, autrement dit les bras, les jambes et l'arme. Alors, quelles sont les informations qui se trouvent dans ce tableau Donc, pour vous l'expliquer, on va utiliser le tableau du milieu, autrement dit les dégâts dans le corps. Donc, la première colonne, c'est les informations. Donc euh, dégâts, h.kill c'est le nombre de hits qu'il faut faire pour faire un kill, t.kill le temps qu'il faut pour réaliser le kill. Ensuite la première colonne c'est la première zone de dégâts, donc c'est-à-dire de 0 à 16 mètres. Ensuite on passe sur la deuxième tranche, euh, ici c'est supérieur à 16 mètres. Et alors, pour le SOCOM, il n'y en a que deux. Pour certaines armes, vous verrez qu'il y a trois ou quatre colonnes, avec à chaque fois un drop de dégâts euh, quand on passe dans une tranche supérieure. Alors, comment est-ce que j'obtiens les informations ben, Au niveau des dégâts, ça c'est très simple, c'est Eva qui me les donne. Au niveau du nombre de hits pour faire un kill, eh bien je prends le... le nombre de PV de votre personnage, c'est-à-dire 100, divisé par euh, le nombre de dégâts. Donc, en l'occurrence, ici, 18. J'obtiens un nombre de munitions nécessaires. Donc, ici, en l'occurrence, vous auriez 5,5555. Sauf que c'est pas possible de, de, de tirer des demi-cartouches. Donc, fatalement, j'arrondis vers le haut. Vu que euh, si je tire 5 cartouches, ben, on n'aura pas les 100 PV. Si j'en tire 6, là, on les obtient. Donc, on est bon. Le personnage est éliminé. Ensuite, pour obtenir euh, le temps nécessaire, alors là, c'est un peu plus compliqué. Je prends euh, 60 secondes, vu que la cadence est exprimée en RPM, donc le nombre de cartouches, si vous voulez, par minute. Dans une minute, il y a 60 secondes, donc 60 divisé ben, par cette cadence. Et alors, j'obtiens euh, le nombre de, enfin, j'obtiens le temps nécessaire à l'arme pour tirer une cartouche, enfin, l'intervalle du moins. Ensuite je multiplie ça par le nombre mon euh, bah bah, h.kill le nombre de cartouches qu'il me faut euh, pour tuer un adversaire, moins la valeur euh, que je vous ai exprimée tout à l'heure, donc le 60 divisé par RPM. La raison c'est très simple, c'est que au moment où je vais appuyer sur euh, la détente, la première munition va partir directement, puis je vais avoir un laps de temps avant de pouvoir tirer la deuxième et ainsi de suite et c'est comme ça que j'obtiens donc le T.Kill donc pour illustrer mon exemple on va prendre le T1 Ghost donc vous savez qu'il faut une balle dans la tête pour tuer votre adversaire donc on imagine à partir du moment où vous appuyez sur la détente si vous visez correctement vous tuez votre adversaire instantanément alors pas réellement parce qu'il y a encore la vitesse euh, des ogives Maintenant, si on prend le cas de la K77, euh, les ogives partent à 1000 mètres par seconde, en sachant qu'une distance moyenne de, de combat dans Eva, on va dire c'est. Allez, on va prendre une moyenne d'une dizaine de mètres il y a des distances qui sont beaucoup 2 enfin, à trois fois plus longues, suivant les cartes, et il y a des distances qui sont trois fois inférieures sur d'autres. Mais bon ça reste une bonne moyenne, 10 mètres par euh, 10 mètres, pardon. Donc si on prend la vitesse d'une ogive de 1000 mètres par seconde, pour faire 10 mètres il lui faut 0,01 seconde. Donc c'est pas ça qui va changer grandement les qui va changer grandement les combats. Si vous avez même une munition qui part à hein, du 500 mètres seconde, bah, vous divisez cette valeur là par deux, on obtient du 0,005, donc autrement dit rien du tout comme différence, donc du coup c'est pour ça que j'ai pas pris la peine de les inclure euh, dans les calculs. Donc du coup pour euh, continuer sur l'exorbité à Ghost, une fois que vous avez tiré votre mun, on imagine vous la ratez, bien le laps de temps que vous avez entre la première et la deuxième, c'est 0,84 secondes, et sur c'est sur cette base-là qu'on va regarder bah, quelle arme est plus efficace euh, qu'une autre. Alors deuxième arme de poing, le Warden, pas de modification non plus à son niveau. Donc voilà, ça a été très vite pour les armes de poing. On peut donc passer au pistolet mitrailleur. On va directement regarder la Striker, qui elle n'a pas eu de grosses modifications, si ce n'est son temps pour euh, s'équiper, qui a légèrement augmenté. Ensuite, euh, on passe sur la MP52. Alors elle, modification au niveau de sa cadence, euh, qui a été euh, revue à la hausse, ce qui lui permet de... Euh, de diminuer le temps nécessaire afin d'effectuer un kill. On en a terminé avec les pistolets mitrailleurs, donc on va passer au fusil d'assaut. On va prendre la première arme semi-automatique, c'est-à-dire la Vulcan. Au niveau de ces modifications, ils ont réduit la dispersion de la troisième euh, ogive tirée dans la rafale. Donc, pour rappel, euh, en rafale, vous tirez euh, trois munitions. Et au niveau de la dispersion, il ben, n'y a euh, aucune dispersion sur la première munition euh, de la rafale, 0,15 au niveau de la deuxième et 0,20 au niveau de la troisième. Et alors pour les informations au niveau de la cadence, 0,16 c'est le temps nécessaire pour tirer une rafale complète, donc de trois munitions, et 0,23 c'est l'intervalle euh, qu'il y a entre deux rafales. On continue avec la MX42 qui s'est vu euh, sa dispersion légèrement réduite et son temps d'équipement légèrement augmenté. Alors, il en est de même pour euh, l'AK77, donc la dispersion a légèrement été diminuée et le temps d'équipement a légèrement été augmenté. Alors, on va pouvoir continuer sur les armes lourdes, donc la Fury. Euh, pas de grosses modifications non plus à son égard, donc le temps d'équipement a légèrement été augmenté. Donc on va passer au fusil de précision. On va commencer par la Needle parce que celle-là où il y a le moins de choses à dire. Donc euh, Needle qui est en semi-automatique pour rappel. Donc au niveau de sa cadence, elle a légèrement été augmentée et son temps d'équipement a légèrement été augmenté également. Alors, au niveau de l'Atlas, maintenant, pour rappel, l'arme à verrou, euh, il y a eu une grosse modification sur le patch 0.4.7 qui est sorti le 9 août. Donc, en gros, maintenant vous avez un mode visé, donc écran noir sauve le centre de l'écran qui est une lunette où vous voyez ce qui se passe. Au niveau de la dispersion, je ne l'avais pas expliqué, d'ailleurs, pour la Fury, la première information, euh, en tout cas pour l'Atlas, c'est la dispersion en mode visé. Euh, là où la furie c'est simplement en mode statique et la deuxième dispersion le deuxième chiffre ça correspond euh, à la dispersion en quand vous êtes en mouvement avec votre arme à savoir que vous ne pouvez pas vous déplacer ou en tout cas de euh, très très peu quand vous êtes en mode visé alors ils ont également augmenté euh, réduit pardon, la cadence et ils ont augmenté le temps d'équipement ainsi que le temps nécessaire pour viser. Vous avez la valeur qui se trouve euh, au niveau de la représentation de l'arme près de la lunette. Alors je suis tout à fait d'accord qu'il fallait apporter des modifications sur euh, de l'atlas. Pour avoir joué euh, donc à la version 0.4.7 on se retrouve avec euh, des équipes euh, full équipées. En Atlas, euh, comme on pouvait avoir avant, des équipes vous l'équipez euh, avec des, des pompes. Euh, et alors, ils ont augmenté la dispersion histoire d'éviter que l'atlas soit joué comme un pompe. Donc, euh, vous courez sur votre adversaire à moins de 3 mètres, vous tirez et vous avez de fortes chances que la balle euh, touche le corps et one shot votre adversaire. Alors, pourquoi est-ce que je suis pas fan d'avoir augmenté la dispersion euh, simplement parce que ça va entraîner un effet random. Donc, euh, si votre réflexe va être de tirer plutôt que de switcher d'armes quand vous arrivez, enfin quand un adversaire arrive à votre corps à corps, euh, bah, l'effet random, ça va arriver qu'une fois sur, je sais pas moi, sur, bon, on va dire sur 50, vous allez tuer votre adversaire en le touchant euh, dans le corps. Du coup, ce qui enlève euh, du skill, du skills. Euh, donc moi j'aurais plutôt vu euh, un drop de dégâts quand vous n'êtes pas dans le mode visé. Je pense que ça il y aurait peut-être moyen qu'ils le fassent, étant donné qu'il y a un switch qui se fait, donc euh, il y a peut-être moyen qu'ils arrivent à faire un drop de dégâts euh, en mode visé. Euh, pardon, en mode euh, en mode jugé du coup. Euh, on pourrait très bien imaginer euh, deux balles dans la tête euh, quand vous êtes euh, en mode jugé, trois balles dans le corps. Alors je pense du coup que ça aurait une moins, un moins gros impact euh, avec l'ancien style de jeu bien que du coup on n'aurait plus de dispersion alors vous allez me dire euh, ouais mais ça n'a pas de logique d'avoir euh, d'avoir un drop de dégâts quand on est en mode jugé par rapport à en mode visé alors je vous réponds ouais tout à fait d'accord maintenant il n'y a pas de raison qu'une arme tire à la verticale quand vous êtes en mode jugé comme pour l'instant et au moins ça, euh, ça enlèverait ce, cet effet random voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, euh, ben voilà, il était quand même nécessaire d'avoir une petite modification sur euh, l'Atlas, bien que je pense que ce n'était pas euh, le... la meilleure façon de le faire, en tout cas au niveau de la dispersion. Alors au niveau des armes hors catégorie, on a le RG qui, elle, voit son temps d'équipement euh, augmenter. Ainsi qu'une modification en termes de drop de dégâts et de dégâts tout court, donc ce qui a un impact sur le time to kill. Alors, pour information par rapport aux autres armes, ici la munition ne se compte pas en nombre de cartouches mais en secondes. Donc, avec une charge, vous pouvez tirer en tir continu pendant 3,2 secondes. Et comme il n'y a aucun time to kill supérieur à 3,2, ça nécessite qu'un chargeur à chaque fois pour effectuer votre kill. Alors au niveau des gadgets, on va passer sur le shield. Donc au niveau de sa modification, il s'est vu euh, ajouter du temps au niveau du temps de l'activation de celui-ci quand vous le posez. Donc euh, au niveau des informations, bah, vous avez euh, le mode entre guillemets, donc un bouclier, point de vie 400 dégâts euh, des armes, donc quand vous prenez les dégâts de vos armes, il faut regarder la catégorie corps pour savoir euh, combien vous allez faire de dégâts dans le shield temps d'activation, ben voilà, en seconde, cooldown, le temps avant de pouvoir le récupérer donc voilà on peut passer du coup euh, au gadget suivant alors au niveau de la grenade à repond, donc la grenade DX3 à plasma pas de modification euh, à son sujet, donc pour reprendre les explications sur le tableau, donc le mode ben voilà, ricochet. Rayon d'OS, donc rayon où la grenade va tuer euh, en un coup, donc c'est jusqu'à 2 mètres. Ensuite de 2 à 4 mètres, elle va se limiter à faire des dégâts. Le temps nécessaire avant l'explosion 3,5 secondes. Et le cooldown, on la récupère après 45 secondes, donc ça ça n'a pas changé. Et pour terminer, au niveau de la grenade collante, donc la sticky. Euh, son temps d'explosion a été augmenté, on passe du coup à 2,7 secondes au lieu de 2, et euh, à un cooldown de 35 au lieu de 30, en espérant que ça va arriver, enfin ça va arranger un petit peu le côté euh, sticky land, euh, où vous aviez des grenades qui partaient dans tous les sens. Euh, je ne sais pas si ça sera nécessaire, j'ai pas encore eu l'occasion de tester la nouvelle mise à jour, mais en tout cas c'était euh, légèrement catastrophique à l'ancienne donc voilà en espérant que ça réglera un petit peu le problème je pense que c'est un peu plus jouable euh, on verra ce que ça va donner j'espère pouvoir vous faire un retour là-dessus euh, très prochainement alors au niveau du T.R.D bah sans grande surprise la Socom c'est l'arme <coughs> qui a le le time to kill le plus élevé on est quand même sur du 0,80 dans la tête et une seconde dans le corps, 6 cartouches. Donc voilà, sans grande surprise, euh, surtout qu'elle est efficace, pff, enfin si on peut parler d'efficacité qu'au corps à corps. Donc voilà, on peut directement passer au tiers C. On va commencer par le RG. Alors avant ce patch-ci, je l'aurais peut-être mis en tiers B, voire peut-être même en tiers A, car elle rivalisait carrément entre la, enfin avec la MX et la, la K77. Là, avec son nerf, je la trouve. Bah, elle sert à rien. Je vois pas l'utilité de l'utiliser, étant donné que bah, les, deux, les deux autres fusils d'assaut sont bien supérieurs, euh, la furie également. On est vachement spot avec le, le rayon laser, donc euh, je vois pas trop son utilité. J'espère qu'elle sera rework. J'avais proposé que euh, ce soit la seule arme qui n'ait pas de drop de dégâts quand on tire par exemple sur les grilles euh, euh, au niveau des Elias. Au niveau des deux, des deux couloirs, voilà, ça, ça la rendrait quand même situationnelle, mais au moins elle aurait une réelle utilité par rapport aux, aux deux autres AR, et en plus, dans l'idée où c'est un laser, ça garderait un, une certaine logique. Donc voilà, au niveau de l'ERG, c'est, je, je la trouve euh, bah, du coup euh, plus trop intéressante. Alors, une deuxième arme en catégorie C, la Vulcan. Pourquoi est-ce que je l'ai mis dans le tier C Eh bien, l'utilisation première de la Vulcan se fait à mid- et long range. Euh, donc, du coup, on va comparer ça aux AR et aux fusils de précision. Si on prend les AR, euh, elles ont un meilleur time to kill au dégâts dans le corps et euh, moins bon au niveau de la tête. Donc, du coup, si on est dans, un, dans une logique de tenue de ligne tir tête bah, du coup, autant prendre la Needle qui a un meilleur time to kill que la Vulcan. Et dans un esprit de je me déplace, je tire, les donc il y a plus de chances que ce soit des balles dans le, le corps. Ben alors, du coup, autant prendre la MX. On va dire du coup que la Vulcan serait plutôt réservée à, à des joueurs pro-IM qui vont systématiquement toucher la tête. Alors, euh, étant donné que ce sont des rafales de 3, faudrait voir le le qu'il faudrait euh, ajouter en termes de d'espace entre les rafales pour voir si c'est réellement plus intéressant que la que la MX ou que la K. Donc voilà, dans un premier temps je mets la Vulcane dans le de la tier liste C. Alors on peut passer à la tier liste B, j'ai ajouté la K77 euh, qui est à mon sens meilleur que la Vulcan, étant donné comme je vous l'ai dit qu'elle avait un meilleur time to kill. Ensuite, étonnamment, euh, j'y ai ajouté le T1 Gauss. Autant avant la mise à jour 0.4.7, on pouvait largement le mettre en tier liste S. Maintenant, je le trouve beaucoup plus situationnel et du coup plus difficile également d'utilisation, puisqu'il euh, faut systématiquement mettre une balle dans la tête pour, euh, tuer, pour one shot l'adversaire. Donc, si on compare en termes de balles dans le corps où il en faut deux. Eh bien la striker et euh, la mp52 ont un meilleur time to kill donc du coup ce qui en fait des armes un petit peu plus polyvalentes que euh, le, le pompe donc je pense qu'en B c'est pas déraisonnable de le mettre là bas il pourrait encore être joué avec le enfin légèrement avec le shield bien que j'ai pas testé depuis la, le nouveau patch vu qu'il augmente le temps d'activation du, du shield très bien faire deux balles pompe par-dessus le shield en exposant que les extrémités donc ça ça peut être encore sympa mais comme je vous dis ça applique du coup l'utilisation du shield et comme il n'y en a que un par équipe c'est déjà beaucoup plus situationnel ou alors sur une cible immobile dans un, dans un corner mais voilà à part ça surtout que la majorité enfin il y a quand même pas mal de corners où du coup on peut prendre de la distance plutôt que de la réduire comme on faisait avant et du coup, bah, ce qui entraîne l'utilisation de la Striker ou de l'AMP 52, raison pour laquelle du coup, euh, le T1 Ghost euh, Ghost est en tier euh, C euh, B pardon. Alors j'ai également ajouté la Striker dans la tier liste B. Effectivement, elle est plus avantageuse en termes de time to kill par rapport aux pompes au niveau des dégâts euh, du corps, mais elle est moins au niveau des dégâts de tête. Et je la trouve un petit peu moins pratique que la MP52 dans le sens où il y a le laser et du coup ça implique ou une façon différente de jouer avec un tout petit décalage pour cacher le laser Ou alors si on ne le fait pas correctement, bah le fait d'être spot Et la visée, bah personnellement je la trouve un peu moins sympa à faire avec le laser plutôt que de la faire avec le point rouge de la MP Donc voilà, c'est pas déraisonnable de la mettre en tier liste B et pour terminer, le Warden. Alors j'ai hésité à le mettre en tier liste A. Maintenant je le trouve euh, un tout petit peu moins performant, polyvalent euh, que d'autres armes. Donc vous allez utiliser le Warden en close, voire en mid range, en long range, euh, tirer à la mire, euh, oublié. En mid range, c'est possible, mais je trouve que du coup en tenue de ligne, la Needle de nouveau comme la Vulcan va être plus intéressante. Euh, en mouvement, bah, la MX à hein, mi distance va être plus intéressante que le Warden où ça va être un peu plus difficile d'aligner euh, les balles en coup par coup que de le faire en mode rafale. Et alors à courte portée, bah, la, la MP et la Striker ont un, un meilleur time to kill. Donc bah, tant qu'à faire, autant les utiliser elles plutôt que le, la Warden. Voilà, la Warden pourrait être juste un petit peu plus polyvalente entre les deux, euh, entre les deux distances, donc sans doute vers du 9-12 mètres, là où le m, la MP sera plus intéressante jusqu'à 7, et la MX sera sans doute plus intéressante euh, un peu plus loin euh, pour l'histoire de la mir. Et alors l'autre truc à prendre en considération, c'est la capacité du chargeur. Avec le Warden, vous serez limité avec un chargeur pour, euh, pour faire 2 kills, voire 3 voire si vous arrivez à mettre les 9 balles dans la tête à vos 3 adversaires. Après le but c'est pas de, non plus de faire un 1v6-4, mais bon, voilà, c'est une, une donnée à prendre en considération et c'est pour ça que je l'ai mis en tier liste B. Alors on peut passer à la tier liste A avec des armes qui selon moi sont les meilleures dans leur catégorie. Donc en termes de blocage de ligne. Et de préfire, on a la Fury, au vu de la capacité de son chargeur, de sa dispersion qui n'est pas fort élevée et euh, de son bon time to kill. Voilà, pas grand chose à ajouter, elle est, elle est très bonne, du moins en statique, pas en mouvement. Pour le mouvement, on a la MX, qui est légèrement supérieure à la K en termes de taille to kill, c'est vraiment très léger. Elle est également légèrement plus précise. Le seul petit avantage de la AK c'est que sa portée est légèrement supérieure de 4 mètres. Donc voilà, à mon sens la MX sera euh, légèrement plus performante. Euh, en termes de tenue de ligne pure et dure en coup par coup, bah, la needle. Le nouveau mode de visée est bien utile, mais bon à ce moment-là, euh, autant passer euh, à l'atlas. Maintenant, bah, voilà, si jamais vous ratez votre balle pour au moins occasionner de gros dégâts avec la Needle et puis elle a quand même son x2 il faudrait que je le travaille un petit peu pour voir s'il est réellement euh, s'il y a réellement une plus value moi je pense que je préférais quand même en reflex ou alors euh, ils auraient pu mettre le parce que si vous, avez... enfin, vous allez me dire s'il y a le viseur reflex je vois pas pourquoi il y aurait la... la visée comme l'Atlas mais alors à ce moment là on pourrait imaginer un viseur hybride ce qui aurait pu être sympathique je pense que ce serait quand même plus sympa de l'avoir en viseur réflexe qu'en viseur x2, que je trouve un peu dégueulasse. Et alors, pour terminer, bah la MP52, que je trouve légèrement euh, plus polyvalente que la, que la MX en termes de time to kill, elle, elle est un peu moins intéressante. Maintenant, elle est un petit peu plus précise et surtout, il n'y a pas le laser. Donc voilà, ça, elle se valent plus ou moins. Maintenant, voilà, j'ai juste ma préférence pour la visée de. Pour la visée de la MP. Et pour terminer, la tier list S, sans grande surprise, l'atlas, qui est bien meilleur que la needle au niveau de sa tenue de ligne. Euh, simplement parce que ça one shot. Euh, à voir ce que ça va donner avec le nouveau patch qui augmente euh, la durée pour euh, viser. Avant la, bah, le patch qui va d'être sorti, euh, je suis tombé sur des équipes avec euh, 4 Atlas. Et euh, au niveau du... Quickscope était, bon, elle était monstrueuse, en tenue de ligne monstrueuse. Donc j'espère que l'augmentation de la visée va me faire mentir sur le tiers Liste S et qu'on aurait des armes relativement équilibrées en n'ayant pas vraiment une qui est extraordinaire par rapport aux autres. Voilà, ça reste à voir. Euh, mais en tout cas, quand on était en 0.4.7. L'atlas avait largement sa place en tier liste S. On verra ce que ça va nous donner avec la nouvelle mise à jour. Voilà le petit mot de la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'à terme, une fois que les rééquilibrages, les petits réajustements seront faits, on devrait avoir beaucoup plus de polyvalence dans l'armement. Ce qu'on y pense, avant on avait quand même euh, très 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 souvent 8 pompes euh, au niveau des, des joueurs euh, et des matchs. Je pense qu'ici euh, bah, ça va être beaucoup plus équilibré, on va avoir euh, beaucoup plus de polyvalence au niveau des armes. J'ai hâte de voir euh, l'Eva Vitationnel et le L1 et le L2 qui vont arriver d'ici quelques jours, voir un peu ce que ça va donner. Et euh, bah, peut-être avoir de bonnes surprises au niveau des compos. Euh, même si le par exemple le Socom est en tier liste D, c'est pas possible de le voir avec euh, je sais pas, un atlas. Et euh, je sais pas, peut-être même voir à gauche, on ne sait jamais. Euh, voilà, je pense que ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça. Et n'hésitez ben, pas à lâcher euh, un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mettre un petit commentaire sur, euh, sur le format si euh, ça vous plaît, si les informations étaient claires et précises. Euh, peut-être pourquoi pas votre tier list. Et je vous donne euh, rendez-vous. Euh, la prochaine fois pour... Euh, je pense que la prochaine vidéo ça va être euh, bah justement euh, notre match amical contre euh, l'équipe de l'EVA euh, invitationnel euh, de Belgique. Allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao